Couture. Ông dùng dùng đẹp và cả mình to cái chấm ra cái để thi sản mặt cả một nâng ra vị trí chung từ đồng nàng thập kỷ nhà cùng luôn được phải đi làng đi cả vì sản phẩm bột miền ở bột miền thịt kỳ nằm bộ cô đại ông dùng đẹp có hẳn chưa cho rùm được không cái chấm ra cả sản mặt cả đi
Chúa. Som korop nang chomriep lok pathean. Knong sapnaka tngai ni, tngai ti 12 khai thnou chnam 2012, krop phieki teang os nang knong rueang kdai ni mien wattamien. Leuk leng tae chon chop chaut yeang sari mien wattamien pi bontop khom khluon neu khang kraom sa sapnaka doy mul haet sokaphiep. នេះព្រឹកនេះអង្គជំនុំជម្រះនឹងបន្តស្ដាប់នៅសិក្ខាកម្មរបស់សាក្សីលោកខំផាន់ហៅផាន់វ៉ាន់ចំពោះសម្ណាការពេលរសៀលអង្គជំនុំជម្រះនឹងស្ដាប់នៅសិក្ខាកម្មរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីមួយរូបដែលមានហាសនាម TCCP 01 តាមការបញ្ជាក់ពីផ្នែកបច្ចេកទេសសោតទួបានជួលដំណឹងថាការរៀបចំផ្នែកបច្ចេកទេសសម្រាប់ការស្ដាប់សក្ខីកម្មនៅពេលរសៀលនេះបានរៀបចំរួចហើយសូមអរគុណបាទអរគុណតែជាបន្តអនុញ្ញាតសម្ដាល់វិទ្យាជូនទៅក្រុមដំណាងថាបញ្ញាដើម្បីបន្តការតាំងសម្រុតដីដល់ចំពោះសក្ខីសូមជឿ Merci, bonjour Monsieur le Président, mesdames et messieurs les juges, bonjour à toutes les parties, bonjour au public dans la galerie, bonjour à vous Monsieur le Président, j'aurais une petite clarification à demander au niveau du temps qui nous est accordé. Nous avons dit hier à 11h15 que nous avions une journée entière. Donc, est-ce que nous avons l'autorisation de poursuivre jusqu'à 11h30 à partager donc, ce temps à partager avec les participants plutôt que jusqu'à la pause de la matinée? Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honors, and good morning to everyone in and around the courtroom. Yesterday we went 10 minutes past 4 o'clock. It took approximately 10 minutes for Your Honor to read the oral decision. Therefore, any time that was lost during the reading out of the order was gained by the prosecution when we went over 4 o'clock. Therefore, there is no basis for them to make this application. If they want to make it on another reason, such as they need additional time because they have been either not allocated a sufficient amount of time or is taking longer or whatever, they can make that submission. But the argument that they have made right now does not stand to reason because they were given 10 additional minutes after 4 o'clock yesterday. Thank you. Je peux répondre, Monsieur le Président. Oui, effectivement, c'est ce que je disais également en disant qu'il y avait beaucoup de sujets à couvrir. Et il est vrai que nous avons pris un peu de retard dans les questions qui ont été posées. Il reste notamment à parler de toute la période qui suit celle où le témoin a travaillé dans le secteur 105, c'est-à-dire au centre. Et un certain nombre de questions devraient pouvoir lui être posées pour contribuer à la manifestation de la vérité, que son témoignage puisse couvrir l'ensemble des sujets sur lesquels il a déjà témoigné dans sa déclaration devant les juges d'instruction. Voilà, donc avec votre autorisation, je ne sais pas si je l'ai, je demanderai
Et je répéterai ma demande de pouvoir poursuivre jusqu'à 11h30 ou 11h15 selon le moment que vous pensez. Thank you, Mr. President. Good morning, everyone. I feel as if I should go on record only because I did speak to my colleague across the stage yesterday, and I indicated to him that we would not object to a short extension of time so long as we, the defense, are given the same leeway. And that has always been our position, and we've gone on record in the past saying that we do not object in principle to such extensions as long as they're reasoned, and as long, most importantly, as long as we are given the same degree of flexibility with respect to our cross-examination. And I say that particularly today because I did mention it to my colleague yesterday. So I just wanted to put that on record. Thank you. Thank you, Mr. President. Good morning, everyone. Good morning, Mr. President. Good morning, Mr. President.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, avant de commencer les questions sur un certain nombre de communications entre le secteur 105 et le centre, j'aurais voulu obtenir une clarification de votre part concernant les différentes périodes où vous avez travaillé au service de votre père comme décodeur de télégramme. Hier, vous avez dit que après avoir quitté B20, vous aviez déjà servi comme décodeur de télégramme pour votre père avant d'arriver à Phnom Krau. Par la suite, vous avez dit que vous aviez travaillé comme messager, comme chauffeur, comme agent de sécurité et également comme décodeur de télégramme, une fois que vous étiez à Phnom Krau. Et puis, quand je vous ai interrogé sur les deux télégrammes hier soir, d'octobre 1976, vous avez dit que c'était votre sœur, Sovan Han, alias Bopan, qui avait probablement encodé ces télégrammes. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement les différentes périodes durant lesquelles vous avez travaillé comme décodeur de télégramme et spécifiquement, est-ce que vous avez travaillé comme décodeur avant votre sœur, à Phnom Krau, après votre sœur ou les deux? Est-ce que vous pouvez clarifier tout ça? D'accord, et vous avez dit hier que votre sœur avait travaillé une courte période avec votre père au décodage des télégrammes. Est-ce que,
Après que votre sœur ait terminé ce travail, est-ce que vous avez repris votre travail de décodeur, par exemple, en 1977? ខ្ញុំលហូតដល់ហើយហ្នឹងបងខ្ញុំគាត់មកជំនួសលហូតដល់ពុកខ្ញុំស្លាប់អាបានបងខ្ញុំធ្វើការលហូតបាទហើយខ្ញុំនៅបើកឡានឲ្យគាត់រហូតហើយនឹងនៅការពារគាត់ Merci. Malgré le fait que vous n'ayez plus travaillé une fois que votre sœur vous avait remplacé, hier, vous avez pu tout de même, sur base de télégrammes qui vous ont été montrés, reconnaître que les mentions qui figuraient sur ce télégramme étaient conformes à celles que vous aviez vues à l'époque lorsque vous décodiez les télégrammes. Et vous avez aussi reconnu la façon dont votre père s'adressait à certaines autorités du centre. J'aurais un autre télégramme, Monsieur le Président, à montrer. Écoutez-moi. C'est un télégramme qui porte la référence E3/1195. C'est le télégramme 22 envoyé par Leng, vos bien-aimés camarades Pang, le 25 novembre 1976 et qui est copié à Nunchia. La raison pour laquelle je voudrais montrer ce télégramme au témoin, c'est parce qu'il y a certaines informations contenues dans ce télégramme qui concernent directement sa famille. Donc avec votre autorisation, je voudrais montrer ce télégramme au témoin et le faire afficher à l'écran. Alors, pour permettre de poser des questions au témoin, je voudrais lire certains extraits. Et je vais lire cela en anglais parce que la version française n'est pas très bien traduite, je crois. En tout cas, elle est ambiguë. En anglais, c'est beaucoup plus clair. Je vais lire les points 3, 4 et 5 de ce télégramme, signé par Leng. Le point 3 en anglais dit ceci. I quote, I assigned niece or nephew Bopan to attend the course on confidential documents. Please help me with that. Point number 4, I assigned Comrade Khan at the radio station to attend the course on radio documentation. Comrade, please help me to process this request. And 5, my mother went over to visit her nephews and nieces, who are my children, such as Van Thi Lan and brother, sister Da. Kindly help me to process this request. She would like to visit Phnom Penh. She is old now. Donc, ma question, monsieur le témoin, est de savoir si, quand ce télégramme signé Leng part de la nièce ou du neveu Bopan, est-ce qu'il s'agit de votre sœur Sovan Han, qui a, d'après le télégramme, suivi des cours sur les documents confidentiels? Bad
Est-ce qu'il était habituel sous le régime des Khmer Rouges pour un cadre comme votre père de désigner ses enfants en parlant de nièce ou de Clarifier encore les choses. Qui est ce camarade Khan de la section de la radio, du secteur 105 dont il est question dans ce document? Khan, le président Khan, le président de la radio, le président de la radio. Et pouvez-vous nous dire qui sont Van Thi Lan et brother or sister, frère et sœur, frère ou sœur Da? C'est la question au point 5 de ce télégramme. Je suis en train de parler de la question au point 5 de ce télégramme. Van Thi Lan, je suis en train de parler de la question au point 5 de ce Merci. Donc, d'après la lecture qui vous a été faite de ce télégramme, vous confirmez les informations qui sont contenues dans ce télégramme, à savoir que notamment que votre grand-mère voulait visiter Phnom Penh fin 1976. Merci. Il y a un autre télégramme que je voudrais montrer au témoin, Monsieur le Président, c'est le télégramme E3/877, télégramme 54 envoyé par John, qui est le nom qu'on a trouvé sur le premier télégramme dont on a discuté hier, avec également le nom de Pan, mais enfin le nom de Chan, C-H-A-N, qui figurait. Et ce télégramme date du 20 mai 1977. Il est adressé à l'attention du respecté bien-aimé 870. Et la traduction en anglais n'est pas complète, mais nous avons la traduction entière en français. Et bien sûr, l'original en khmer, je voudrais maintenant montrer aux témoins. Ça concerne évidemment toujours le secteur 105. Alors, ce document, ce télégramme envoyé par Chan, concerne la situation de sécurité du secteur 105. Je vais lire quelques extraits. Le 12 mai 1977, au secteur de Dak Dam, un Vietnamien a été exterminé sur place. Le 18 mai 1977, la division 2 a arrêté deux Vietnamiens au secteur de Kieu Sei Ma. Ceux-ci sont des partisans gradés de ce Dieu. Et en clair, c'est « Ah, Dieu », donc c'est « méprisable Dieu », sous-lieutenant et lieutenant.
Ils ont demandé de pouvoir aller en France. Ils ont dit qu'au Vietnam, c'était terrible, que c'était la famine et qu'il y avait toujours des combats. Troisième point, le 13 mai 1977, l'unité de la région comptait un mort et un blessé grave. Les ennemis ont attaqué près du centre de To Chui, dans la partie de To Sra. À 50 mètres du centre, après examen, il ne s'agissait pas d'ennemis externes. Nous avons plutôt soupçonné ceux des divisions qui sont affiliés à ce Somme et à ce Chun. Et là encore, on utilise les mots méprisables. Ces problèmes ont déjà été rapportés aux camarades Sam. Les soldats de l'unité 920 ont progressivement commencé des actions, mais nous les avons arrêtés les uns après les autres. Le 25 mai 1977, nous avons accompagné les camarades spécialistes du code secret au lieu de leur formation. Avons reçu le rapport sur la naissance de la coopérative. Post-scriptum, concernant les problèmes de ces Vietnamiens, une décision a déjà été prise. Monsieur le témoin, pourriez-vous nous dire de quoi s'agissait-il quand on parle de division 2 du secteur 105? Qu'est-ce que c'était? Un groupe au sein de l'armée du secteur ou bien au sein de la division 920. Il est question dans ce télégramme de la division 2, en tout cas c'est comme ça que cela a été traduit en français. Est-ce que la division 2 faisait partie de l'armée du secteur dont vous avez parlé hier, qui était dirigée par Sopir, ou bien cela faisait-il partie de la division 920 qui était stationnée à Mondulkiri? កងពល920តាមខ្ញុំសន្និដ្ឋាននេះក៏អត់ច្បាស់ប្រមាណទេបាទព្រោះកងពល120 ហ្នឹងមកមានរបស់តំបន់អត់មានជើងកងពលទេខ្ញុំបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹង Merci. Les questions ici d'arrestation de Vietnamiens et dans le post-scriptum du fait qu'une décision a déjà été prise. Donc au niveau du secteur 105. Savez-vous si des décisions relatives aux Vietnamiens qui étaient arrêtés étaient prises au niveau du secteur 105 ou étaient-elles prises au niveau du centre? Dans le télégramme, il est question de décision prise quant aux Vietnamiens qui ont été arrêtés. Ici, on parle de Vietnamiens arrêtés dans les secteurs de Khao Se Ma et de Srei Pram, affiliés aux camarades de Thieu. Est-ce que vous savez si des décisions concernant le sort de personnes arrêtées, notamment les Vietnamiens, étaient prises au niveau du secteur ou était prise au niveau du centre ou de la famine?
ពួកមានការវៃតាមព្រំដែនហូហែរហូតដែលខ្ញុំក៏ជូនប៉ាខ្ញុំចុះឡើងចុះឡើងរឿងវៃគ្នានឹងជាការវៃតាមព្រំដែនចំណត់ហ្នឹងហើយការចាប់អីហ្នឹងមានចាប់មែនចំណត់ហ្នឹងហើយការសម្រេចស្អីស្អីហ្នឹងក៏មិនមែនតំបន់សម្រេចបានទេនៅតែខាងលើសម្រេចយ៉ាងណាយ៉ាងណាបានអនុវត្តនៅខាងតំបន់អត់មានសិទ្ធិទេបាទ Et qui prenait cette décision au centre? Qui communiquait cette décision? Merci. Dernière question sur ce télégramme. Est-ce que le Chin ou Chun, je ne sais pas comment on le prononce, c'est écrit C-H-H-I-N dans ce télégramme. Est-ce qu'il s'agit de la même personne dont vous avez parlé hier comme étant le secrétaire de la division 920? Ici, on parle du méprisable Chin. Chin, le Chin, le Chin, le Chin, le Chin, Il est dit dans ce télégramme que les soldats de l'unité 920 ont progressivement commencé des actions, mais nous les avons arrêtés les uns après les autres. Est-ce que vous vous souvenez si, aux alentours de cette période de mai ou juin 1977, il y a eu de nombreuses arrestations ou des purges au sein de la division 920? Merci. Au fin de la transcription, Monsieur le Président, je signalerai que nous avons dossier la confession de Monsieur Men Meng alias Chin, secrétaire de la division 920, arrêté et envoyé à S21 en février 1977. Il s'agit de la confession D175-3.4-1 et S 5.49. Il y a également deux listes importantes que je mentionnerai de prisonniers D21. Il s'agit premièrement du document IS-7-3 daté du 11 juin 1977, qui est une liste d'exécution de prisonniers S21 qui identifie 80 prisonniers de la division 920 écrasés en date du 10 juin 1977. Une autre liste de prisonniers de S21 est datée du 5 juin 1977. Elle porte la référence D175-3.30 et contient les noms de 90 personnes arrêtées dans la division 920. Il me reste un télégramme à montrer à Monsieur le témoin. Il s'agit du télégramme E3-1204. Il est daté du 27 août 1977. Il est adressé par le camarade John au respecté bien-aimé M870 et concerne des questions de sécurité, ainsi que le rassemblement de revues étendards révolutionnaires. Donc je voudrais montrer également ce télégramme au témoin, Monsieur le Président, afin qu'il puisse en prendre connaissance. Je vous remercie.
Je vais d'abord lire le premier point. Concernant le problème de l'archivage des revues étendards révolutionnaires du parti et de la révolution depuis 1975 jusqu'en 1976, on les a rassemblés et conservés correctement pour qu'ils soient accessibles à la lecture. Pourriez-vous nous dire, monsieur le témoin, combien d'exemplaires de l'étendard révolutionnaire ou de la jeunesse révolutionnaire le secteur 105 que vous-même aviez accès à cette revue étendard révolutionnaire ou jeunesse révolutionnaire? Donc j'entends, si je comprends bien, vous voulez dire que les revues étaient distribuées aux coopératives par le secteur 105. Est-ce que c'est cela que je comprends? Merci. Alors, le point 4 du télégramme dit ceci. Le problème des ennemis. Dans la province de Kratchier, il y a deux personnes qui se sont enfuies pour entrer dans le district de Kéosema. Nous avons réussi à les arrêter et nous les avons confiés à la province de Kratchier. Je voulais savoir si, à l'époque, vous saviez si c'était une procédure normale de remettre à une zone les personnes qui s'étaient enfuies de cette zone et qui étaient arrêtées au sein du secteur 105. Nous avons besoin d'un débat. Le point 5 de ce télégramme dit ceci. Ceux qui se sont enfuis de la province de Stongtreng, ils étaient deux. C'est sûr, ce sont des ennemis. En effet, ils avaient sur eux une photo de Sihanouk. Est-ce que vous pourriez nous dire si, à l'époque, avoir porté une photo de Sihanouk sur soi pouvait prouver que l'on était un ennemi? តែអញ្ចឹងមែនទេអានឹងខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរបាទអត់ដឹងរឿងដាច់អីមានហេតុថាខ្មាំងដូចនោះហ្នឹងវាអត់មានបានយាយអញ្ចឹងទេបាទតែមនុស្សជំនាន់ហ្នឹងការសង្ស័យគ្នាហ្នឹងអានតិចតួចហ្នឹងក៏ខ្មាំងដែរខ្ញុំបញ្ជាក់ដូចបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងអត់តែស្អីដែលប្លែកខុសពី Merci. J'en ai terminé avec les télégrammes, Monsieur le Président. Je voudrais maintenant citer un passage de procès-verbal d'audition de Monsieur le Témoin concernant les rapports qui provenaient des districts au sein du secteur 105. Je voudrais faire cette lecture et après vous poser des questions supplémentaires. Il s'agit du document E3/58. C'est-à-dire la première audition, le premier procès verbal. En clair, je m'aperçois que je n'ai pas le Khmer, En français, c'est à la page 3. En anglais, également à la page 3. Et en Khmer, c'est à la page 4.
pardon, en Khmer, la page 3 également, c'est-à-dire IRN 00239936. C'est la deuxième question qui est posée dans le cadre de ce procès-verbal. Et je cite, « La plupart du temps, les bureaux de district rapportaient les travaux de construction des barrages et des canaux, de production agricole, de santé, d'espionnage des forces, bons ou mauvais éléments, traîtres ou alliés. Le bureau K-17 donnait souvent une direction et les renvoyait au district. Il faisait la récapitulation du travail de chaque district et en faisait quotidiennement des rapports au centre. Quant aux directions du bureau K-17 concernant les rapports portant sur les mauvais éléments, elles étaient les suivantes. Pour les premières et deuxième fois, c'était la rééducation à la base. À la troisième fois, il fallait convoquer les gens pour rééducation faite au centre de sécurité de Tumnup, Nom Paul, administré par le chef du deuxième bataillon, nommé Leng. Les gens qui étaient convoqués étaient ceux qui n'ont pas respecté les disciplines, ont commis des fautes morales, des vols, du banditisme et qui se sont sauvés du travail. Ceux qui ont commis des erreurs devaient rédiger à chaque fois leurs autobiographies. Et vous ajoutez, il n'y a jamais eu d'ordre d'arrestation sur le comité central au bureau K-17. Fin de citation. Je voudrais savoir, à l'époque, dans le secteur 105, comment on faisait pour déterminer qui étaient des bons ou des mauvais éléments, des alliés ou des traîtres. Est-ce qu'il y avait des critères qui étaient appliqués pour reconnaître les bons ou des mauvais? Et là encore, est-ce que ces critères qui étaient appliqués avaient été déterminés par votre père ou par le comité du secteur 105 ou bien sur la base d'instruction qui avait été donnée par le centre du parti? តាមបានអត់មានសិទ្ធអីកំណត់ឲ្យខ្លួនឯងទេព្រោះទឹកគឺមានគេរួមនោះមកពីខាងលើអនុវត្តតាមខាងលើទាំងអស់ហើយការចាប់ខ្លួនដកស្អីស្អីហ្នឹងគេមិនមែនតែមកចាប់ខ្លួននៅតំបន់ទេបាទគឺគេមកខាងលើហ្នឹងគេមកថាមករៀនសូត្រគេរៀនសូត្រយូរបាទជារៀនសូត្រជាកទេសជាស្អីដល់ឲ្យតែមនុស្សមកបាត់បដ້ອຍហើយបានប្រកាសតាមក្រោយបានបញ្ជាក់ខាងលើចឹងឯងបាទ Est-ce que, selon les instructions du centre, les personnes ont été transférées du centre de sécurité de Phnom Krol jusqu'à Phnom Penh? Oui, d'après les instructions. D'après les instructions qui étaient envoyées par le centre, est-ce qu'il y a eu des transferts du centre de sécurité de Phnom Krol vers Phnom Penh?
ກະຈະນອນນັ້ນກະຈະນອນຍົ້ມນໍນັ້ນວ່າອັດມີແນ່ໂຕແນ່ທຸນອີ່ນໍນັ້ນ Merci. Alors, je vais en venir à la période qui suit la mort de votre père. Et je ne vais pas vous poser de questions spécifiques sur les circonstances de la mort de votre père, vu le peu de temps qui reste, et également le fait que vous avez détaillé largement ces circonstances dans un des procès-verbal d'audition. Par contre, hier, vous avez mentionné plusieurs fois que notre chien avait envoyé des convocations à des pour participer à des séminaires ou des réunions, et qu'après, ces personnes avaient disparu et vous avez cité des noms. Est-ce qu'il en a été de même pour la convocation qui a été envoyée à votre père et à Kampoun lorsqu'ils se sont rendus à Phnom Penh et qu'après la suite, ils ont été tués? Est-ce qu'il en a été de même pour la convocation qui a été envoyée à votre père? Merci. Alors, après la mort de votre père, vous avez dit que vous avez commencé à travailler comme chauffeur à Kata 2 avec une tirite après un passage de 3 mois où vous avez, je crois, cultivé des légumes. Comment s'appelait le bureau? Comment s'appelait le bureau où travaillait, résidait Yeng Thirit? Yeng Thirit Tvoka, merci. Basomokun. En tant que chauffeur de Yeng Thirit à Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle fréquence Yeng Thirit rencontrait-elle les autres dirigeants tels que Pol Pot, Nunchia, Kisampan, Sun Sen, si vous ne vous en souvenez pas concernant l'ensemble de ces dirigeants, est-ce que vous en souvenez particulièrement concernant M. Nunchia? ไอ้นั้นខ្ញុំចាំបានដែរបើថារឿងជួបបាទហើយចឹងខ្ញុំអត់ប៉ុណ្ណាវាដូចប្រហែលជាដែរមិនដឹងវាប្រហែលខែម្ដងប្រហែលថ្ងៃម្ដងវាអត់ច្បាស់ទេបាទតែគាត់ដឹងថាបានជួប Et à quel endroit le rencontrait-elle? Hay quat chuop nuon chia nu nau konlai na dae.
chăm cái lấy ớt bàn này bạn. Merci, je voudrais, La huitième question est la suivante. En général, M. Nunchi a convoqué Mme Nguyen-Thirit pour réunion. Pardon, c'est la réponse 9. En général, M. Nunchi a convoqué Mme Nguyen-Thirit aux réunions à 4-3. Et enfin, la réponse 10, vous avez déclaré que certaines tâches administratives devaient être rapportées à Nunchi. Est-ce que cela vous aide à vous rafraîchir la mémoire, monsieur Thomas, concernant la fréquence des réunions que Mme Nguyen-Thirit avait suivie à 4-3 à la demande de M. Nunchi? Merci, je voudrais bạn phải trả anh nộp nòng kỳ xua nhiều mấy và là thà về về mình chăm bạc cọt đấy còn cá xua nữa còn là thà sơn tịnh niên niên gì thà hai quạt chuột chuột nia chuột quạt tàu chân tàu cái hàng thà cọp bay nhóm có nông cào chân tàu thì nó ọt bạc cọt phải chia thà quạt chuột nhà mà hai pi đong rồi bay đong bạc cọt phải chia máu ọt ọt bạc cọt ở chân tịnh bạn sự phải trả tận năng lao phí đại cá chuột nó chuột mềm. Savez-vous à qui Nguyen-Thirit devait-elle rendre des comptes pour les activités de son ministère? Ot ban dang ni man kwat rie ka yang mai ot dang dai dang ta chun kwat tau hai nau tang krao ne ban tau muay kwat te ba. Merci, monsieur le témoin. Est-ce que Mme Nguyen-Thirit, quand elle se rendait aux réunions à 4-3, plusieurs fois par mois, est-ce qu'elle y allait en général seule ou était-elle parfois accompagnée de cadres supérieurs du ministère? Nous avons dit que 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 nous lorsque vous conduisiez Nguyen-Thirit à 4-3, est-ce que vous avez vu si d'autres dirigeants se rendaient également pour ces réunions? Ou si vous ne l'avez pas vu vous-même, est-ce qu'on vous l'aurait dit, vous auriez pu qui participer à ces réunions à part Nguyen-Thirit et Nguyen-Thirit? Je ne sais pas si vous avez vu Nguyen-Thirit. Đừng là tàu bị lụt anh tàu đập cái tàu chứ tàu nào thường là bò nó cái dự bò màu vinh màu nếu có buổi chuồn ngày nào còn màu vinh là nghe chứ là nghe nào chăm nào mọt viên tàu nó lại gì ở chăm trong cái chợ bên này hoặc bàn chuồn nó là bò tê vậy. Est-ce que
Vous avez vu passer des voitures ou est-ce que vous avez pu parler à d'autres chauffeurs qui, comme vous, devaient attendre à l'extérieur? Et dans ce cas, savez-vous de quels chauffeurs, de quelle personnalité il s'agissait? Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Vous avez dit très clairement que l'homme rencontrait Nunchia deux, trois fois par mois. Comment avez-vous su qu'elle rencontrait effectivement Nunchia si vous ne rentriez pas à l'intérieur de 4-3? Đang là ông còn nào nâng. Est-ce que Yang Thirit ou les cadres du ministère des Affaires sociales qui se rendaient sur place n'ont jamais mentionné le fait qu'il s'agissait de rencontrer Nunchia? Je passe à un autre sujet, il ne m'en reste que deux. Nous sommes intéressés à déterminer de quelle autorité les différents ministres du Kampuchea démocratique disposaient concernant leurs subordonnés. Et vous avez indiqué pas mal de choses aux enquêteurs à ce propos. Concernant le ministère des Affaires sociales. Et vous avez notamment dit, je vais citer le document E3/447, je cite, Yang Thirit avait le droit de nommer et de révoquer, entre parenthèses, éliminer ses subordonnés. De convoquer les réunions, ainsi que de suivre le personnel hospitalier afin de détecter les ennemis infectés. Quand vous dites qu'elle avait le droit de révoquer ses subordonnés, ou de les éliminer, est-ce que ça veut dire que les mots révoquer et éliminer, dans ce que vous avez dit, sont hay nâng bó xâm á ní miên nây đôi chân ní rưu cơ nhóm mách nâu xâm mây nóng hay lục sợi yên thờ rinh nó còn miên sất ẩm nạch thơ dạng đôi chân ní rưu cơ nhóm mách kì thạp bọ đó hay nâng bó xâm á ní. Bức nhóm ọt dùl nây rưu bó xâm á ní đây kì nọ kìa chút nón nâng tạc nông đại nhóm dê thầy quạt miên sất nữ vô quạt dê nạ tù khó trâu nào nâng quạt miên sất. Chẳng đọa nà của bạn đây cho nó ngô. Chẳng phải chạy bằng năng. Chúng ta hôm nay dàng mấy dàng mấy nhưng bọn dù đây, bởi đây thôi mà đã nạ đất nòm. Mình ta thân nạ tiếp được thân nạ của đây cho nó ngô. Bởi thả ọt miền bảo mình chia hàng lưu, miền này hiện thư tê. Nên xong bây đến, nạ xoay đây yên thử đất cơ quan mình hiện đây. Bởi thả ọt miền bảo mình chia hàng lưu. Bởi mình thả quan miền sức. Và đám. Rồi có đọ tành tăng tây xây chăng mên, bởi thả ọt miền tất thả. Xâm lạch dân ngay dân ná đòi chật quát ọt miền đi. Của chìa cụ cá. Cứ tỏ là khẳng lưu xâm lạch. Cụ mắt có nhiều khẳng lưu đây cho nó. Từ bị khẳng lưu đức nhóm ọt dù này thì chỗ ăn khẳng lưu dân ná đi. Xây cụ lưu ở chăng bạn nhóm chạy chung tà là ca chăng bạn. Et vous avez parlé aussi dans cette même citation du fait qu'elle avait le pouvoir de suivre le personnel hospitalier afin de détecter les ennemis infiltrés. Est-ce que quand on parle de suivi du personnel hospitalier, est-ce qu'il s'agit de surveillance? 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 Khang cua dùm hôn dù ba anh xây xây tầng ọt nâng bạn.
Merci. Dans votre procès-verbal d'audition, dans plusieurs d'entre eux d'ailleurs, vous avez parlé de l'arrestation de Sou et de Pak du ministère de l'Affaires sociales. Quelles étaient les fonctions de Sou et de Pak au sein du ministère de l'Affaires sociales? Les fonctions de Sou et de Pak au sein du ministère de l'Affaires Vous voulez parler de Sou ou de Pak, ou bien vous voulez dire que toutes les deux étaient chefs adjoints de Yang Tirit au sein du ministère des Affaires sociales? Est-ce que vous pouvez préciser, monsieur? Et la personne dénommée Pak, quelles étaient ses fonctions? Pak ni mien mok ngia vay day. Pak nang kwan mok ngia kwan nang pethien ti pet, pethien pet, kalai pelit nam pet, jelam atu. Pethien kalai pelit nam pet. Kan nang du cha pho mui yang ay man. Est-ce que vous avez emmené Sou et Pak à Cassette, le département des messagers? En français, nous avons une traduction singulière. Est-ce que vous parlez bien des deux personnes? Vous les avez emmenées toutes les deux à Cassette? D'accord. Là, j'entends que c'était à K1. Est-ce que c'était bien à K7 ou bien à K1? Parce que l'interprétation qu'on a reçue, c'était K1. Est-ce que c'était K1 ou K7, monsieur Lutheran? K7. Merci. Bonjour. Qui vous a demandé ou ordonné d'amener Sou et Pak à Cassette? Et était-il précisé si ces personnes avaient été convoquées ការបញ្ជាក់ដែលឬទេថាបុគ្គលទាំងពីររូបនេះត្រូវបានកោះហៅទៅប្រជុំទេអត់មានបញ្ជាក់អីទេបើគាត់ថាឲ្យជូនទៅកងពលតែប៉ុណ្ណឹងបាទ Et ensuite, est-ce que dans les jours qui ont suivi, Yang Tirit a parlé de Sou et de Pak lors de réunions? Yang Tirit a parlé de Sou et de Pak lors de réunions.
ប្រកាសថាក្បត់ប៉ុណ្ណឹងបាទ Je voudrais citer votre réponse 14 du document E3-447. Après avoir réuni le personnel du ministère des Affaires sociales, JPIA déclarait que ces deux personnes étaient traitées en lisant une circulaire de K3. De quel circulaire de 4-3 lorsqu'elle en a parlé à la réunion? Et comment le savez-vous? Est-ce que c'est elle qui l'a dit? Comment le savez-vous? Est-ce que c'est elle qui l'a dit? Comment le savez-vous? Est-ce que c'est elle qui l'a dit? Comment le savez-vous? Bien, je suis très heureux de savoir que c'est elle qui l'a dit. Je suis très heureux de savoir que c'est elle qui l'a dit. Quand vous parlez de K3, est-ce que vous savez quelles étaient les relations entre K3 et le bureau 870 auquel le nombre de télégrammes du secteur 105 était envoyé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Au fin de la transcription, Monsieur le Président, complet, je signale qu'au dossier figure le document IS-5-995 de la confession IS-5-95 de Sin Paul, daté du 13 mars 1978, qui porte la mention d'une arrestation le 3 mars 1978, Mouitiet, qui est un petit peu, cadre supérieur adjoint de la Ministère de la Sociale, ខ្ញុំចាំបានអស់ដែរបាទគឺជំនាន់តែមនុស្សបាត់ច្រើនតែមិនដឹងអ្នកណាខ្លះចាំឈ្មោះមិនបានឯកម្មការធ្វើការនៅទីនោះនឹង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 ឯកម្មការធ្វើការនៅទី
ខ្ញុំបានដឹងទេព្រោះខ្ញុំនៅតែបើកឡាន Merci. Vous avez parlé de nombreuses disparitions au ministère. Est-ce que ça ដែលលោកគ្រប់បានសង្កេតឃើញថាមានការខ្វះកម្មាភិបាលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាជាតិសប្រាំបីដោយសារតែមានការចាប់ខ្លួនដល់ច្រើននេះតើលោកគ្រប់បានសង្កេតឃើញអញ្ចឹងទេគេឃើញចឹងបាទអត់ខ្វះមនុស្សធ្វើការ Vous avez mentionné le travail des trois filles de Yang Sari et de Yang Thirut dans votre PV d'audition au sein du ministère des Affaires sociales. Vous avez mentionné une mine dans un hôpital, NIT, dans une usine pharmaceutique, ainsi que RA. À part ces trois filles de Yang Sari et de Yang Thirut, est-ce qu'il y avait... ឬក៏ភាកច្រើននៃកម្មាភិបាលទាំងអស់នឹងត្រូវបានបោះសម្អាតហើយតាំងពីខ្ញុំនៅមួយគាត់អ្នកទាំង3នាក់ហ្នឹងគេនៅធ្វើការនៅនឹងស្រាប់បាទ Dernière question, monsieur le témoin. Vous avez parlé de K7, le département des messagers. Il semble que dans un de vos procès-verbaux d'audition, K17, est-ce que le département des messagers portait le code K17 ou K17? ខ្ញុំចង់ច្រឡំណាស់ក៏17ឬក៏ដូចក៏17ប្រចាំច្បាស់គេថាក៏17ថ្ងៃនៅមុខវាំងហ្នឹងបាទនៅជាប់ម៉តលីយ៉ាងក៏17 ទៅបច្ចៈប៉ុណ្ណឹងបាទ Est-ce que l'origine de la confusion ne vient pas du fait que dans le secteur 105, il y avait un bureau qui s'appelait K17? Je ne sais pas si l'origine de la confusion ne vient pas du fait que dans le secteur 105, il y avait un bureau qui dirigé le département des messagers à Phnom Penh, à votre connaissance, là où vous avez amené sous les packs. Phnom Penh, hay lok ban da kalai ne lok nom ne su hay nang pak tau ne mon ti ko 17 na nea na chi prathien ka chnuan nang chmu ku ba mon nang tien khom at at dang ne mena chnuan nang chmu ku chea ba Merci pour la clarification. Je vous remercie d'avoir répondu avec patience à toutes les questions que vous avez posées. J'espère que ce président ne va pas poser de questions inutiles.
et donc laisser encore du temps aux avocats de la partie civile pour poser leurs questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. សូមជ័យលោកមេធាវីសូមគោរពលោកប្រធានសូមគោរពលោកលោកស្រីចៅក្រមសួស្តីសហប្រញ្ញាសួស្តីសហវិតាសួស្តីអស់លោកទាំងឡាយដែលចូលរួមសវនាការនៅទីនេះទូនៅក្នុងបន្ទប់ឬក្រៅបន្ទប់ក្តីខ្ញុំមានការកត់សម្គាល់មួយយ៉ាងចម្លែកបំផុតអំបញ្ញមិញសហប្រញ្ញាដែលបានបញ្ចប់សំណួររបស់គាត់តាំងប្រហែល 1 ជាចំការចម្លាយបំផុតដែលយើងមិនដែលឮមិនដែលជួបទេទី2សហវិញ្ញាបានសួរដេញដោចច្រើនទាញយកអង្គហេតុហើយពីករណីតកតងនឹងអ្នកស្រីអៀងត្រិតក៏ដូចជាសង្គមកិច្ចដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាសំណុំរឿងឬរោគលោកស្រីអៀងត្រិតបានត្រូវបែកចែករញែកដាច់ចេញពីសំណុំរឿងសូនពីលើសូនមួយនេះទៅហើយក៏មិនតែបើនិយាយពីរឿងរចនាសម្ព័ន្ធ រចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលអានឹងខ្ញុំមិនយល់ទាស់ទេប៉ុន្តែបើនិយាយពីករណីពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោតទៅលើលោកស្រីអ៊ីងរ៉ាត់វាជាការជាសំណួរឬចម្លើយដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងសោះយើងសោកដែរដែលមិនបានធ្វើការឲ្យឡើងចំទាស់តាំងពីដំបូងដោយបានហើយបានហើយមិនដឹងបានហើយលោកមានឱកាសក្នុងការចំទាស់លោកបែរជាប្រើពាក្យស្ដាយមិនចំទាស់ទៅវិញហើយយកឱកាសនេះមកធ្វើការកត់សម្គាល់ទៅវិញ លោកមានឱកាសច្រើននៅក្នុងការបង្ហាញនៅក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់កិច្ចវិភាសាដេញដោលចំពោះបញ្ហាផ្សេងៗដែលលោកយល់ឃើញថាមិនសមត្រមបើមានផ្ដល់វេទិកាជូនទៅសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋអភិនី សូមគោរពលោកប្រធានលោកលោកស្រីចៅក្រមអង្គសវនាការទាំងមូលមេធាវីដែលទទួលសិទ្ធិគឺលោកមេធាវីសំសុគង្គនិងលោកស្រីមេធាវីអ៊ីសាបែលឌីរ៉ង់សូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតសូមជឿញ បាទជាបឋមខ្ញុំមេធាវីសំសុគង្គសូមគោរពលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសូមគោរពក្រុមប្រឹក្សានិងសូមគោរពអង្គសាវនាការទាំងមូលជម្រាបសួរលោកផានវ៉ាន់តកតងនឹងសំបញ្ហាសំណួរគឺខ្ញុំមានសំណួរមិនច្រើនទេហើយដោយសារពេលវេលាខ្ញុំសូមសួរសំណួរលោកជាសំណួរខ្លីៗហើយនឹងសូមឲ្យលោកឆ្លើយឲ្យបានខ្លីផងដែរ កាលពីម្សិលមិញលោកបានឆ្លើយចំពោះលោកសំណួរតកលោកប្រេញ្ញាតកតទៅនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោករត់ចូលទៅព្រៃទៅរស់នៅក្នុងព្រៃតើខ្ញុំចង់សួរថាលោកក្រុមគ្រួសារលោករត់ចូលទៅរស់នៅក្នុងព្រៃនឹងតើលោកចូលទៅនៅក្នុងព្រៃនឹងដោយសារតែមូលហេតុអីដែរលោក
ការរត់ជួបព្រៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចេះការជំនាន់ហ្នឹងវាមានចលនាតស៊ូគឺខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំអត់ដឹងទេតែខ្មោចឪពុកខ្ញុំហ្នឹងគាត់ជាអ្នកតស៊ូការជំនាន់ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងគេតស៊ូថាដើម្បីរំដោះជាតិរំដោះប្រជាជនអញ្ចឹងមានចលនាតស៊ូណាជួបព្រៃខ្ញុំបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងបាទ Lúc tha vì chưa cho là nà to su ta cho là nà to su để cầm cua sa lục rồi chụp lấy nước ta chưa cho là nà to su nước miền trung ấy đấy. Cho nên là xe ru ruộng chiết mà. Lúc miền đăng tha là nà xe ru ruộng chiết nước ta. Chia ca đặc nòm rồi có cuộc luôn đời nào đấy. Thật xâm lạch nó đom xìa nụ cái cho nó nâng lại. Nước bê đài lục រស់នៅក្នុងព្រៃនិងក្រុងរសាមកលោកនៅក្នុងព្រៃនោះតើលោករស់នៅក្នុងព្រៃមានរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដែរយូរដែរមកចាំអត់បានតាំងពីខ្ញុំនៅតូចតូចរហូតដល់ដឹងក្តីមក 70 ចេញមកគូមិញបាទហ្នឹងសូមហ្នឹងកើតតំបន់ម្ដងទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំសួរសំណួរលោកតេតតូននឹងប20នៅប20លោកថាលោកធ្លាប់ទៅនៅទៅរៀននៅប20រៀនតេតតូននឹងការវាយអង្គលីលេខតើអ្នកដែលបានទៅរៀននៅប20ហ្នឹងគឺជាមនុស្សប្រភេទណាដែរ ກະລັງອັດຂ້ອຍອັດດັງຈະວ່າແຕ່ປະເພດນາອີ່ປະເພດນາດີແຕ່ກ່ອນຂ້ອຍນຶກເມຍຄ្មេងນັ້ນគេឲ្យຮຽນບອກສາຕູເລດຂ້ອຍເຈັດໃຫ້ກໍຂ້ອຍຕ້ອງສົກໄວ້ຕະນໍາຫມູ່ຂ້ອຍປົກຂ້ອຍນັ້ນກໍບອກສາຕູເລດໃຫ້ກວດນຸຢ່າປີ້ໄດ້ຂ້ອຍຕົ້ນນັ້ນກ່ອນປີນັ້ນມາກໍບອງຂ້ອຍມາປີກ່າວມາກໍກໍບອກສາຕູເລດຈະນູຂ້ອຍຂ້ອຍນຶກບາກລານຂ້ອຍຈໍາບານແຕ່
vậy chẳng có với tổng rung nằm một tí nữa viêm viêm nặng âm bản lai miên ấy ấy cho non nó về khó phía lâu dừng dừng phải điệp tiếp về một bạn đây như trong phải chạm nằm một tay không bom phải đứng miên tràn mà về thôm đây đây có hóm rồi sừng kia máu pu pu về nhà trốn có thoát từ lâu nâng đây quạt đăng đây và về che trong phải chạm chun mình đang chỗ cả cho non sừng kia nó rồi bà hà hai nó nặng đập non từng on nó màu nâu nâng cho phi rồi nặng kia đi mau nhằm đăng tập năng để và nước nông bò một phay lục tham miên một tì chỉ tràn thật là cầm bò một phay ta nấu pê đại lục nạn nấu nấu bò phay ta lục miên ban sừng kết khơi tham miên cạch bạch chum rồi viên mê đặc non thôm thôm nước nông bò một phay nấu đại thế ta nhằm đăng hình đăng chăm nó cứ miên về vụ về chăng em và vụ cái này thúng với tôi là bị chung là hôn vụ cái này mình ti bom phế chơi cái này sạc sạc la trong gì phía xa dương ở lâu chơi cái này ôp rum riêng sâu miên group được thả ban rạt mùi những vấn đề dương tiếp tiếp dương ở lâu lúc nào nâng cái nó tăng kìm mà nữ bề đại lục luôn nữ bò một thầy lục bên ban đăng pi cô là dụ bài rồi bò ông của đôi chia nẹt đặc nòm nữ tin nữ đại đại tế nữ bề đại quạt nữ luôn nữ bò một thầy nữa ăn đăng thế và vốn nấu khmê cho nó nấu khmê khmê miền tây ăn đăng thế vì đường dụ bài rồi đăng vì thơ và lúc bạn miền bắc sa tha lúc chia sơ riêng nơi bò một thầy chia nẹt riêng về anh lê lúc bây giờ lúc công phu tại riêng ta miền miền ở kia miền sập sai tại tôi nâng vây được bánh hà vây được coi chia cô nhậu bài vây tới tới chấm bua sơ tại riêng nơi anh lê này thế chăm bán on đây đường từ đây riêng cả cho non nó riêng đây mía kia say chờ na mà tại vì chăm mình bán và còn đang là thà bán riêng nữa đường ca to tu vẫn nặng chấm nhá ấy lừa luôn ấy say chăng tàu vì chờ na nếu mà thầy dừng chọn đăng phí bán hà nó to là cực xa là quên thế bạn được khơi mà rồi xu một thời nhớ nực ọt khơi thế cô cả long về và lai du pê ส่วนไปเจาะจุนลากาปนังแหละจึงจำลายบอลลูกเมียนในทามีนเมียนกาเมียนกาบังเรียนแต่ตรงเมียเกียร์สิงเซนได้มาได้ลูกมันจำมันจังลูกนะบังสมนุนไปเตี้ยเปะปอนหนึ่งลูกสนะนึกบอลมาเพย์หนึ่งตาลูกเมียนทรวบลือโกลโยบายในกาจำเรียประชีพบรอดเจนปีติกรงตรงปีนเปิดได้เจนจำเนี้ยนุดได้นุเตอันเมียนได้ไหมอันเมียนบานดังบานลือไอเตียจังไหมยิ่งจังสุลูกเปียปอนหนึ่งกลางเรือบอลลูกนึกไปแต่ลูกเรียนจบลูกท่าลูกทรวจเจี๋ยเนี่ยเวอังกฤษจูนอปุกลูกก็โดยเจี๋ยลูกทรวจเจี๋ยเนี่ยศาสตร์บอปุกลูกได้กลายมาคือลูกบานบกุลตูนตีนี่แต่ไอ้บองใส่ตามูลฮาริบานเจี๋ยลูกบกุลตูนตีไอ้บองใส่ให้ลูกใบเจี๋ยมาเถื่อกาเจี๋ยเนี่ยบักบอรถยนต์ตัววิ่งการจะนอนนั่งเวียกเมียไอ้ประกาศไปเจียกับนัดหายชัวร์ล้อเธอไอ้เจียจีบเจียมุกเนียชัวร์ล้ออัดเมียนตีแบบจะนอนนั่งสายจะกีท่าแบบจังเอามาดูขยมจังเรียนเบาซาตูเลี้ยงมันเมนเจียเรียนไอ้เจีย
chia sẻ lại thông đúng rồi qua để che mà vô mà pra ban chẳng là hết ban thư ca là thư ca ban nhưng tất kẹp ra mà dạ chẳng tất thư ấy thư tiền nhưng ông miền cũng nát thà ở nâu thư ta nên là hô ở đây mà buộc nhóm khi nhóm cái đường khang một xin quan có pra đường bờ bò tàu mùi quạt chẳng bong nhóm máu quạt chỉ sấy quạt nâu thư bỏ xa tu luyện nên là cái này tàu ai nhóm bạc lan tàu ni tàu nu chun kia tàu ni tàu nu ấy chẳng tàu cho nên nó về chẳng bạn là nhóm xong xuôi lúc tiệt tung nên coi thứ ngày đập bầm bầm người xa cho nam một con một chất pram nơi lúc ban ở miền bắc sa pi mà sao mình chơi từ những sầm nua lục rìa nhá lục tha nơi coi thứ ngày động đo đập bầm bầm người xa cho nam một con một chất pram cứ lúc ban mọc tì công phong pin chỉ mới bộc vào lục cứ khi nông lòng khai mít thốt na cho làm cho sắp làm nâng miền kịch bà chung nơi Star Olympic ở khai ô giáp phía xâm tố ta đi chùm nay bao lúc đại bàn sáu phim mà sao mình mên đại rửa ớt lúc bàn mau mên mà khá chú nón nâng ta nơi phía đại lúc anh chưa mau chưa mua bộ lục có đôi chị nè cầm áo phì bạc xem tiền nút ta lục thua đầm nát đôi chị vay mau mau đái vì đầm bòn mà đòi làm nứng cái đoàn nứng chị lan mà đòi cái che em ăn chị cái nốt mà đòi nụ pin mà bạn nếu biết là lúc mà đào thì công phong bình hay cách bạch chôm nữa ta cái cách bạch chôm nữa vì propeller của màn thay đấy nó về là miền cách bạch chôm nữa chạm mặt bàn đấy cái bạch chôm màn thay coi cho nên nó khi ông được vi miếng đang để mà chọn sờ bài như kia để mà nâng anh mà chọn khơi như vậy nè bà sân chỉ lục ở trăm bà chung một màn thứ ta lục bán sân nặng ở thị công phong pin một màn thứ hai đấy là về luôn du đây bà chồng bà là lạc khai vô tàu vĩnh đất ấy văn tàu vậy chẳng là nếu biết là lúc cho rùm và lúc lúc màu bà chung nơi thì công phong bình ta miên cầm áp bị bà và mà nẹ tới đây màu chú mùi lúc chú mùi nơi bà lúc màu bì đồng bọn và rồi bàm nữa màu tràn mà cho nên màu mẹn mòm nẹ ấy màu tràn khí nhỉ nếu biết đại lục tập lập từ khai mình đôi kỳ cứ nơi đồng bằng mà rồi làm bình nếu biết đại lục nông niêm lục chia nhiệt xa các đôi chia nẹt về ông lên đây chu nộp bộ lục ta bộ bộ lục bên bàn tập lục chạy tôi nâng kịch bị chung nơi thi công nông pin tha ta kêu bị chung pi bành hà về đại thế on tê vậy lúc mình biết bạn mùi nít tí ở nhà bên trái cái tê đồ DVD mà mở đặt bàn làm rồi lấy bánh hà này hay về rồi rồi đi cả gặp dương mình